Il y a des gens que tu n'as jamais salués depuis dans cette église. Et bien monde maintenant de pouvoir aller faire ces personnes à cette. Voilà, nous savons qu'il n'y a pas de droit dans le sambo. Et tu n'as jamais salué. Oh, il n'y a pas de ça dans le monde. Je le connais, mais vous ne vous êtes jamais salué. Oh, il n'y a pas de ça dans le monde. Dieu a béni Abraham. Après qu'il ait compris les principes, après qu'il ait compris et appliqué les principes, Dieu a pris Abraham. Il a sorti de l'idolâtrie. Il a marché avec lui. Et puis il lui a dit, je te bénirai. Amen. Mais pour lui assurer une bénédiction éternelle, Dieu lui a appris ce que je vous apprends aujourd'hui. Prends ton fils. Ton fils unique. Celui que tu viens maintenant. Isaac, et va dans la montagne, à la montagne que je te montrerai. Offrez-moi en sacrifice. Quand Dieu lui disait ça, il ne lui a pas promis la bénédiction. On ne va pas faire seulement ça. Le livre de la Bible, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Quand Dieu lui parlait, il ne lui a pas dit que quand tu vas aller avec ton fils, quand tu vas me l'offrir, alors je te bénirai. Il a dit, c'est maintenant après. Va à la montagne que je te montrerai. Offrez-moi en sacrifice. Des fois, Dieu vient nous demander des choses, sachant ce qu'il allait faire, sans pour autant nous les dire d'avance. Mais plusieurs personnes aujourd'hui, qui veulent du donnant-donnant. Or, Dieu est Dieu. Tout lui appartient. Il est capable de s'estimer de sortir d'une plante miraculeusement. J'avais vu qu'on m'avait envoyé un lien sur Facebook et sur WhatsApp. Il y avait une plante qui était sortie dans du béton de mur comme cela. Et on s'est posé la question, comment donc cela peut-il être possible? S'il y a la chance qui soit impossible aux hommes, tout est possible à Dieu. Je suis toujours avec vous, n'est-ce pas? Et je crois que ça rentre. Alléluia. Lorsque Abraham a compris que c'est Dieu qui demandait ça, il avait porté à Isaac du bois. C'est un travail. Et il a marché avec Isaac. Un travail pour aller jusqu'à la montagne. Arrivé au pied de la montagne, il dit à ses serviteurs, pour rester là, moi je vais aller offrir, je vais aller adorer avec les jeunes hommes Dieu. Or, cette adoration-là, c'est ce qu'il allait offrir. Pourquoi vous n'avez pas rien? Même si vous n'avez pas rien, moi je suis sûr de cela. Le millionnaire.
Dieu qui me défend. Oh mon Dieu qui me recommande. Et aujourd'hui, je suis en train de vous dire, faites bien attention à ce que je vous dis. Parce que dans ce que je vous dis, il y a la source de la vie. Votre futur se trouve dans ce que je vous dis. Votre futur se trouve dans ce que je vous recommande. Plusieurs personnes qui ont reçu des recommandations venant de moi, ou que nous les avons pratiquées, ont vu la lumière sur leur vie. Parce que j'avais dit que on n'est pas.
$5 multiplié par 12. $5. Il avait pris l'enveloppe. $1 multiplié par 12. $1 multiplié par 12. Si tu comprends ces choses, sache bien que tu as des rendez-vous avec Dieu. Et ton offrande, tu vas provoquer dans ton la bénédiction qui dure de génération en génération jusqu'à ce que le Christ revienne. Alléluia. C'est un principe sacro-sacralisé. Noé, lorsque son fils Charles l'a surpris, nu, ivre, c'est tout royaume dans la nudité et dans l'ivresse. Il est sorti raconter cela d'ailleurs. Mais son fils est saint. Et ils ont couvert la nudité de leur terre. Noé s'était mal comporté. Mais ce fils allait dire des choses négatives sur son père, qui avait le pouvoir de le bénir tout comme de le maudire. C'est comme ça que plusieurs membres des églises aujourd'hui n'avancent pas dans leur vie. Parce que leur vie, ils ne font que sortir des choses négatives sur leur père spirituel. Et plusieurs enfants dans la maison de leurs parents biologiques ne peuvent pas aller de l'avant parce qu'ils font sortir des choses négatives sur leurs parents biologiques. Alléluia. Lorsque Noé s'est réveillé, on lui a rapporté ce qu'avait fait son fils Cham. Après qu'il ait compris les principes, après qu'il ait compris et appliqué les principes, Dieu a pris Abraham, il a sorti de l'idolâtrie, il a marché avec lui, et puis il a dit je te bénirai. Amen. Amen. Mais pour lui assurer une bénédiction éternelle, Dieu lui a appris ce que je vous apprends aujourd'hui. Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu viens maintenant, Isaac, et va dans la montagne, à la montagne que je te montrerai. Offrez-moi en sacrifice. Quand Dieu lui disait ça, il ne lui a pas promis la bénédiction. On ne va pas faire seulement ça. Le deuxième de la Bible, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Quand Dieu lui parlait, il lui a pas dit, quand tu vas aller avec ton fils, quand tu vas venir me l'offrir, alors je te bénirai. Il a dit, c'est ma toi, prends. Va à la montagne que je te montrerai. Offrez-moi en sacrifice. Des fois, Dieu vient nous demander des choses, sachant ce qu'il allait faire, sans pour autant nous les dire d'avance. C'est plusieurs personnes aujourd'hui qui veulent du donnant-donnant. Or, Dieu est Dieu. Tout lui appartient. Il est capable de s'estimer de sortir d'une plante miraculeusement. J'avais vu qu'on m'avait envoyé un lien sur Facebook, sur WhatsApp, qui avait qui était sorti dans du béton de mur comme cela. Et on s'est posé la question, comment donc cela peut être possible? Si il y a la chance qui soit impossible aux hommes, tout est possible à Dieu. Je suis toujours avec vous, n'est-ce pas? Et je crois que ça rentre maintenant. Alléluia. Lorsque Abraham a compris que c'est Dieu qui demandait ça, il avait porté à Isaac du bois. C'est un travail. Et il a marché avec Isaac. Un travail pour aller jusqu'à la montagne. Arriver au pied de la montagne, il dit à ses serviteurs, pour rester là, moi je vais aller offrir, je vais aller adorer avec les jeunes hommes Dieu. Or, cette adoration-là, c'est que il allait offrir. Pourquoi vous n'avez pas l'air? Même si vous n'avez pas l'air, moi je suis sûr de cela. Quand j'ai engendré mon fils biologique, je voyais que l'animal ne sortait
Oh mon Dieu, tu me défends. Oh mon Dieu, tu me recommandes. Et aujourd'hui, je suis en train de le dire. Parce que j'avais dit que
ministré par 12. $50 par 12. $20 multiplié par 12. $10 multiplié par 12. $10 multiplié par 12. $5 multiplié par 12. $5. Il avait fait l'enveloppe. $1 multiplié par 12. $1 multiplié par 12. Si tu comprends ces choses, sache bien que tu as des rendez-vous avec Dieu. Et ton offrande, il va provoquer dans toi la bénédiction qui dure de génération en génération jusqu'à ce que le Christ revienne. Alléluia. C'est un principe sacro-saint que disait Noé, lorsque son fils de Cham l'a surpris, nu, ivre, se tournant dans la nudité et la livresse. Il est sorti raconter cela d'ailleurs. Mais son fils est saint. Et les saints ont pris le bain avec ils. Et ils ont couvert la nudité de leur terre. Noël s'était mal comporté. Mais ce fils est dit. Allait dire des choses négatives sur son père qui avait le pouvoir de le bénir tout comme de le maudire. C'est comme ça que plusieurs membres des églises aujourd'hui n'avancent pas dans leur vie. Parce que leur vie, ils ne font que sortir des choses négatives sur leur père spirituel. Et plusieurs enfants dans la maison de leurs parents biologiques. Sur les parents biologiques. Alléluia. Lorsque Noé s'est réveillé, on lui a raconté ce que c'est qu'avait fait son fils Cham. Et ce que je vous dis dépendra de votre avenir. Votre parent, même si c'est un sorcier, ayez un comportement responsable devant cette personne. Lorsque ça. Un jour, un pasteur était en train de prier pour les membres de son église. Alors Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il voie le visage réel des membres de son église. Alors il était en train de prier. Mais Dieu lui dit, je veux faire défiler devant toi tous les membres de ton église. Alors le premier a dit, c'était son assistant. Avec le visage de lion. Mais ils reconnaissaient, vous savez ces choses-là dans les visions, n'est-ce pas? Vous avez des habits de rêve, n'est-ce pas? Tu vois un lion, c'est des habits de l'angoisse. Mais il n'a pas, tous les habits de l'angoisse. Et l'autre vient. Vous soyez là. Parce qu'il y a, et l'autre vient. Comme vous soyez. Lui, mais la tête du serpent. Et ils étaient en train de passer. Et Dieu lui pose la question, comment je peux bénir les telles personnes? Ce que toi tu vois, ce n'est pas ce qu'ils sont. Mais moi je voudrais que vous soyez ce que je vois. Alléluia. Est-ce que je suis avec toi? Si tu as des mauvaises relations avec tes parents spirituels, biologiques, c'est là ici, c'est un temps de réconciliation. J'étais en train de parler de ma soeur. Le plus souvent, ma pasteur dit que quand tu commences une histoire comme ça et que tu vas à la chose, je prie pour toi pour que tu reviennes là-dessus. Je crois que sa prière est cette autre chose. Alléluia. Parce que lorsqu'elle a prêché ce jour-là, elle me faisait des célébrations sur sa prédication, mais quand elle est venue, elle a oublié beaucoup de choses qu'elle a faites. Elle lui est donneur de leçons. Maintenant, tu as oublié tout ce que tu as fait là. Elle va répéter, mais moi, quand je parle, toi, tu prêches, je prie pour toi pour que tu n'oublies rien. Alléluia. Ma mère a déjà décédé depuis 2010. Elle a parlé ainsi et elle a expiré, elle est partie. Et qu'est-ce qui se passe?
Aujourd'hui, je vous parle. Ma soeur a son enfant deuxième né depuis 1950. Alléluia. Ça fait 5 ans. Et ça va vous le dire. La fille a eu ça. Ce que tu sais. Ce que tu sais.